Salut tout le monde, voici un tutoriel. Maintenant, je vais vous apprendre comment éditer une page HTML. Alors, on va prendre en exemple la page Mes préférences de Habbo. Juste un petit choix. Et le deuxième exemple, on va prendre Wizard 101. Et tout d'abord, on va commencer par enregistrer le fichier de la page et la page HTML en cliquant sur la deuxième partie de la souris, enregistrer sous, où vous mettez où vous voulez. Moi, je vais mettre dans mon bureau. Ou non, je vais mettre dans mes documents. Alors, on va dans notre docu mes documents. On va voir que il y a un dossier qui est téléchargé avec le fichier Chrome. Alors, comment éditer? On va cliquer sur le Chrome HTML document. On va cliquer sur Editer with Notepad++, mais lien dans la description. Éditer avec Notepad++. Alors, voilà, on va voir que toutes les écritures de cette page est ici en noir. Par ici, par exemple, paramètres de connexion. Pareil, c'est là, c'est ici. Alors, à quoi sert d'éditer une page HTML? Alors, souvent, vous voyez qu'il y a des personnes qui postent des vidéos sur YouTube et qui ont beaucoup, beaucoup de crédits. Ils font pas voir le lien. Parce que ce n'est pas le vrai lien de Habbo. Car quand on clique sur ce lien ici, ça va pas mettre le lien ici. Ça va mettre le lien où votre document HTML est mis. Moi, j'ai mis dans mes documents. Là, on va voir que le lien, mes documents, c'est ici. Alors, les gens font quoi? Font zoomer sur la zone du crédit. Alors, Habbo a changé maintenant. Il n'y a plus la zone où on va voir les crédits. On va voir maintenant juste une petite page, car on n'a pas trop de choses à changer ici. Bon, pour changer, on va chercher une écriture en noir, par exemple cette écriture commotée. On change par le texte que vous voulez. Alors maintenant, on enregistre. On ferme le Notepad plus. On clique une deuxième fois sur le lien. Voilà. Tout est changé. Mad Max, HD Killer, Habbo 2, HD Killer, blabla. Et tout. Alors, voici comment on édite une page HTML et comment les gens font pour faire voir leur crédit, souvent sur Habbo. Alors, pour le deuxième exemple, pareil, on enregistre la page dans le dossier spécifié. On clique sur la deuxième partie de la souris, Editer with Notepad++. Pareil ici, on change. On enregistre, il n'y a pas trop de changements. On ferme, puis on clique sur la page HTML. Voilà. Vous allez avoir un petit problème, c'est car c'est pas hébergé le document ici. Voilà, vous allez avoir des petits problèmes. Chargement de la page. Alors, voici comment éditer une page HTML. Pareil quand vous téléchargez une template.
Pareil, quand vous téléchargez une template d'un site, vous la changez pareil comme celle-là. Moi, j'ai celle-là. Pour la changer, c'est pareil. On clique sur la page Home ou la page Index. On édite with Notepad C++. Désolé. Pareil, on change le titre, on change et tout. Et on va voir que ça a changé. Voilà, mettre Max. Alors, c'est la fin de ce tutoriel. Attendez un tutoriel pour télécharger des films avec uTorrent. Merci d'avoir regardé la vidéo. Pensez à regarder mes autres vidéos YouTube. Et à plus.